Bonsoir, mes chers amis. Voilà, on va poursuivre cette aventure du livre de Bamidbar avec une paracha extrêmement complexe, la paracha de Shelach Lecha. Et comme on me disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut rajouter donc ce qui a été déjà dit. On a tellement dit de choses sur cette faute des explorateurs, des Beraghelim. Et c'est vrai que c'est une paracha extrêmement riche. Nous, comme je le cite souvent, donc on a une longueur d'avance, mais bon, ça ne va pas tarder puisqu'on va vite se rattraper. En tout cas, c'est une paracha, je disais, très riche, avec beaucoup d'incompréhension. Et ce que je voulais vous présenter ce soir comme, on va dire, comme idée principale, ou peut-être la question principale, l'axe sur lequel on va vraiment construire tout le cours, c'est une question à laquelle on n'a peut-être jamais répondu par le passé, en tout cas nous, directement. Et cette question est la sanction d'Ebné Israël concernant cette faute. Alors, pour rappel, mais très rapide, puisque tout le monde, évidemment, sait de quoi il s'agit, donc, sur la demande du peuple, on est à peine à 11 jours de la rentrée d'Israël. Et là, le peuple dit, bon, on va envoyer quand même des explorateurs, on va quand même voir si cette terre que tu nous as promise, Moshe, elle vaut vraiment la peine de tous les efforts qu'on a fournis, etc., etc. Donc, Shelach Lecha, envoie pour toi. Je sais que c'est quelque chose qui risque de se terminer mal. Moshe va sélectionner les personnes, Kulam Anashim, c'est des gens importants, des gens vraiment avec un rang, un niveau extrêmement élevé. Et pour être sûr que leur mission n'allait pas être source de désaccord ou de discorde, donc il a posé des questions très précises. Tout ceci est relaté au début de la paracha de Shelach Lecha. Et voilà, ils auraient dû remplir des cases. Voilà les questions que j'ai posées, voilà les réponses. Et ils se permettent de donner leur avis. Et c'est là où, évidemment, on va malheureusement sombrer. Ce n'est pas simplement un rapport négatif, mais désastreux. Et comme on va essayer de le voir par la suite. Et c'est cette fameuse nuit où ils sont revenus, puisqu'ils sont partis 40 jours, ils sont partis pour 40 jours pour explorer toute la terre, et ils reviennent, donc c'est la veille du 9 Av. Et ce soir-là, voyant que tous ces efforts étaient en vain, eh ben, le peuple va pleurer, et on connaît évidemment la suite. Vous avez fait Bechiya shel Chinam, un pleur en vain, eh ben, je vous donnais des raisons de pleurer, et c'est la raison pour laquelle, comme l'expliquera le Midrash et le Talmud, c'est cette date qui sera marquée au fer rouge, pour ne pas dire noir, parce que les deux destructions du temple auront lieu cette date, et bien entendu, chaque année, pendant les 40 ans qu'ils seront appelés à errer dans le désert, eh ben, malheureusement, donc, chaque 9 Av, il y aura généralement, donc, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais on va s'arrêter quelques instants sur ces chiffres. C'est un peu vraiment technique, mais juste pour comprendre de quoi il s'agit. Quand Dieu leur dit, maintenant je vous donne une raison de pleurer, chaque 9 Av, donc tous les hommes âgés entre 20 et 60 ans, donc les 603 550, donc qui étaient recensés au début de ce livre de Bereshit Bamidbar, et donc ils devaient creuser leur tombe, se coucher dedans, et le lendemain, 15 000 ne se réveillaient pas. Ça, c'est comme ça que c'est rapporté. Le Talmud nous dira, dans Ta'anit, on dit que, il n'y a jamais eu de jour plus joyeux pour le peuple juif, hein, que Kippour et le 15 Av. Alors, on pose la question, Kippour, je comprends, c'est un jour où Hachem pardonne toutes nos fautes, on a la possibilité de se rapprocher, d'effacer notre ardoise, nos dettes, etc. Ça, je comprends. On sort heureux de cette journée. Mais le 15 Av, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y aura dans le Talmud, la Gemara va donner une suite d'événements qui font que cette date soit une date joyeuse. Quel est le premier événement? Kalu Mete Amidbar. Donc, à cette date, a cessé justement la mort de tous les Bnei Israël, tous les enfants d'Israël qui sont morts dans le désert. Et il est dit que les 15 000 ne sont pas morts. Comme on a entendu ce chiffre 15 000, on a supposé que chaque année, il y avait 15 000. Donc, 15 000 fois 40, ça donne effectivement 600 000. Mais à cela, il y a du coup un problème, puisque si je dis que les derniers 15 000 ne sont pas morts, donc il faut savoir que la première année de la sortie d'Égypte, donc il n'y avait pas eu la faute des explorateurs. Cette faute a lieu la deuxième année. Donc la deuxième année,
Les seuls qui sont morts ce soir-là, ce sont, ou plutôt le lendemain, ce sont les 12 Meraglim. Eux, ils sont morts sur place. Mais les 600 000 vont commencer à mourir, donc du coup, la troisième année. Donc, si j'enlève les deux premières et la dernière où personne n'est mort, donc c'est 37. Et 37 fois 15 000, ça ne donne pas 600 000. Donc, on a un problème. C'est ce qui est expliqué par un Tosfot dans la Gemara, justement, qui dit que non, il n'est pas question de parler de 15 000, de 21 000. Donc, il donne un chiffre, il n'explique pas. Et le problème, c'est que 21 000, même 21 000 multiplié par 37, ça dépasse, c'est presque 700, 700, plus que 700 000. Donc, le chiffre ne correspond pas. Et il y a une réponse très intéressante, c'est pour ça que je dis que d'abord, c'est un peu technique, mais c'est vraiment pas l'essentiel du cours de ce soir, mais juste pour montrer à quel point les Chachamim veulent être minutieux, comprendre véritablement comment ça s'est passé et, encore une fois, se mettre dans l'ambiance de ce que devait être le 9 Av, pendant la période de la traversée du désert, où on ne savait pas qui allait se réveiller et qui n'allait pas se réveiller. Donc, on peut imaginer dans chaque famille le déchirement, le papa qui allait creuser sa tombe, il bénissait ses enfants, il embrassait sa femme, et voilà, la grâce de Dieu, ceux qui se réveillaient et ceux qui ne se réveillaient pas. Mais donc, dans tous les foyers, il y a un bruit de fond. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Tu peux voir, Nathan? Voilà. Alors, donc, évidemment qu'on peut imaginer l'ambiance qui régnait le 9 Av dans le désert, où il n'y avait pas une seule famille, une seule tente, où il n'y avait pas des pleurs, des déchirements, puisqu'on ne savait pas si on allait retrouver le papa le lendemain. Donc ça, c'est pour remettre un petit peu le contexte. Mais il y a un avis qui s'appelle celui de David Oppenheimer, et lui, il a donné quelque chose d'assez étonnant. Donc il a eu cette idée. Il a fait un calcul en 40 ans, combien de fois le 9 Av est tombé le Shabbat, et il arrive au chiffre 9. Donc il y a 9 Av où le 9 Av est tombé un Shabbat. Et il a dit, le 9, quand ça tombait Shabbat, il ne pouvait pas mourir. Pour la simple et bonne raison, on ne pouvait pas creuser. Alors certains vont rétorquer, oui, mais ils auraient pu creuser la tombe avant Shabbat, puisque le Shabbat, on ne peut pas creuser. Oui, mais je ne peux pas non plus laisser un trou dans le domaine public. Ça s'appelle Bor Birshut Harabim. C'est passible d'une amende parce que je n'ai pas le droit d'entraîner un préjudice à une personne de l'extérieur. Donc, il y a des réponses assez techniques à cela. Et il se trouve que si on fait le calcul avec 21 000, on arrive justement à ce chiffre de 603 000. Donc, ça, c'était pour dire, on a toujours dit qu'il y avait 15 000 par an. C'est faux. Il n'y a que la dernière année où il restait les derniers 15 000. Et c'est le dernier 15 000 qui, comme on l'avait déjà expliqué, ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé de date et ils ont refait le lendemain jusqu'au moment où le soir du 15, ils ont vu la pleine lune, ils ont compris qu'ils avaient été pardonnés et c'est ce qui a évidemment généré une grande joie ce 15 Av où ils ont compris que Hachem avait pardonné à cette dernière génération de ne pas mourir et ainsi pouvoir rentrer. Rappelons au passage que ne sont concernés par la mort suite à la faute des Meraglim que les hommes âgés entre 20 et 60 ans. Donc, il y en a qui disent, mais pourquoi Hachem n'a pas fait en sorte qu'il meure par jour au lieu de dire une fois par an? On aurait pu mettre 45 ou 50 par jour. Non, parce que si on avait assisté à d'autres morts, on aurait pu ne pas faire le lien avec le 9 Av. Or, Dieu voulait qu'il sache qu'il n'y avait des morts que ceux qui mouraient le 9 Av à cause de cette faute. Alors, ça, voilà, ça c'était pour planter un petit peu le décor, mais la question que je voulais poser arrive. Pourquoi Hachem a sanctionné de mort les 600 000 hommes? Quelle est leur faute? Alors, nous, on peut dire, ils ont écouté du Lashon Hara. D'ailleurs, quand Rashi pose la question en citant le Midrash, pourquoi on a juxtaposé notre paracha avec la fin de la précédente où on parlait du Lashon Hara de Myriam? C'est parce qu'ils ont vu quelle a été la sanction de Myriam, ils n'ont pas retenu la leçon. Myriam a parlé du mal de Moshe, un homme.
Eux, ils ont parlé du mal de la terre. Comment vais-je comparer le Lashon Hara avec le Lashon Hara d'un homme avec le Lashon Hara de la terre? Et combien même, si je dis que pour Lashon Hara d'un homme, et quel homme, Moshe, eh ben, elle a été sanctionnée de lèpre, c'est-à-dire de la Tzara'at exactement, alors je veux bien que Hachem punisse toute cette génération de Tzara'at. Si on dit que les 12 ont entraîné cette faute parce qu'eux, ils sont responsables, alors je veux bien entendre que les 12, c'est plus grave parce qu'ils ont découragé, ils ont provoqué un élan de retour en Égypte, comme on va le voir. Donc, on peut imaginer. Et d'ailleurs, certains disent quelle a été la sanction. Le Midrash dit que la langue s'est allongée jusqu'au tabour, jusqu'au nombril, et il y a donc des insectes qui allaient et venaient entre le nombril et la bouche, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Alors, drôle de sanction aussi. Alors, il faut savoir que pourquoi le nombril ? Parce que la terre d'Israël est appelée le nombril du monde. Vous avez porté atteinte au nombril du monde, donc vous avez touché l'essentiel. Bon, ça, je peux comprendre. Une autre explication que j'ai beaucoup aimée, c'est par rapport au bébé. Pourquoi ? Parce que la Gemara dit que lorsque le bébé est dans le ventre de la mère, la bouche est fermée et le nombril est ouvert. Et donc, eux, quand, en sortant le bébé, la bouche s'ouvre et le nombril se ferme. Elle dit, vous auriez dû faire comme le bébé, fermer la bouche et même laisser le nombril ouvert, ça vous aurait certainement empêché de fauter et surtout d'entraîner un tel découragement au sein du peuple. Ce peuple qui a pleuré, mais je peux dire, mais de quoi est-il fautif ? Ils ont entendu des phrases extrêmement dures. Même comme le Midrash le dira, cité ici par Rashi, Chazak ou Mimenu, c'est un peuple qui est plus fort, Mimenu. On peut lire que nous, mais on avait dit aussi Mimenu, que lui, Kachem. Comment ils peuvent dire une chose pareille ? Alors, il y a une très belle explication qui dit, parce que d'où venaient ces géants ? Et comme le Midrash rapporte, il faut remonter avant le déluge, où il y a des Néphilim, Shamchazai, donc c'est comme ça, il y a deux anges qui ont parlé à Hachem, voilà, c'est Rashi qui rapporte, Han Néphilim, c'est Anakim, Shemi Bene, Shamchazai, Ve'Azael, Shenafu, Minashamai, Bime, Dor, Enosh. Donc Rashi, ici, nous cite, ce sont ces géants qui sont issus de Shamchazai et de Azael, il y en a qui disent que c'est Aza et Azael, peu importe, c'est le nom de ces deux anges qui, lorsque les hommes ont commencé à fauter, ils sont allés voir Hachem, il a dit, tu vois Hachem, on t'avait dit de ne pas créer l'homme, tu ne nous as pas écouté, et si nous on avait été, on aurait pu tenir. Je lui dis, mais écoutez, vous, c'est facile, vous êtes en haut, vous n'avez pas de Yetzerara, si vous étiez en bas, vous auriez fait pire qu'eux. Mais non, alors mets-nous à l'épreuve, fais-nous un test. Donc, ces deux anges, c'est pour ça Néphilim, Naflou, ils sont tombés, ils sont chutés. Donc, du rang d'anges, ils sont chutés et ils sont venus sur terre. Et eux aussi se sont laissés entraîner par des femmes. Et de cette union sont nés des géants. Alors, qu'est-ce qui fait dire que Hachem n'est pas assez fort pour ces géants ? Et voilà ce que dit une réponse très intéressante. C'est parce qu'on a dit que c'est Dor Enosh, c'est-à-dire avant le déluge. Mais comment se fait-il qu'ils ne sont pas morts avec le déluge ? Alors, il y a des midrashim, ils se sont tenus à l'arche, etc. Ils étaient trop grands. C'est-à-dire, même une punition divine n'a pas eu raison d'eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous, des chagavim, on est des petites sauterelles à côté d'eux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va sauter, on va se faire écraser. Donc, si Hachem lui-même n'a pas pu les détruire lors du déluge, comment pensez-vous que nous, on a une chance contre ces géants-là ? Et là, c'était l'argument massue. Là, tout le monde s'est dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on retourne en Égypte, tout ça pour rien, et nos enfants, et nos femmes, et tout ce désert qu'on a subi, etc. Donc, c'était une catastrophe, vraiment une hécatombe. On peut imaginer quel était le découragement et surtout la réaction de Moshe, Aharon, Yoshua, lorsqu'ils ont vu le peuple de cette façon-là. Ils se sont dit, mais quel est notre futur ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Alors, moi, je veux bien tout ça, mais il reste néanmoins cette question qui est tellement, tellement dérangeante. Pourquoi
Hachem les a punis de mort. Aucune explication n'est suffisante, même le Lashon Hara, on n'a jamais vu que le Lashon Hara entraînait une peine de mort. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de tellement grave? Ils ont voulu retourner en Égypte, ils ont voulu lâcher Dieu, ils ont voulu... Mais qu'est-ce qui a fait que Hachem les a punis de mort? Et plus fort encore, vous allez lire dans la paracha, après l'intervention de Moshe pour les sauver, mais Hachem, même Moshe a du mal à prendre fait et cause pour eux, alors qu'on considère que c'est notre meilleur avocat de tous les temps. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai qu'il n'a pas mis en avant les mérites du peuple juif. Ils ont dit, mais qu'est-ce que les nations vont dire? Donc, tu as fait tout ça, pourquoi? Pour les faire périr dans le désert. Donc, imagine le Chilou Hachem que ça va faire. Il les a fait sortir, tous ces miracles, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, les 10 plaies, tout ça, pour les tuer dans le désert. C'est ça ce que tu veux qu'on retienne de la sortie d'Égypte et du Dieu des Hébreux? Tu ne peux pas faire ça. Alors, Dieu dit cette phrase, « Salarti kidvarecha, j'ai pardonné selon ce que tu m'as demandé, selon ta parole. » Mais là encore, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pardonné. Ils sont tous morts. En tout cas, ils vont tous mourir. C'est-à-dire, tout ce que Moshe a réussi à obtenir, c'est on va dire, échelonné, comme les dettes. Eh bien, il a échelonné la peine de mort. Ils vont tous mourir. Mais on va faire en sorte que ça ne soit pas d'un coup pour justement ne pas qu'on dise « je suis d'accord avec toi ». Et il y a d'ailleurs un très beau midrash qui dit à quoi ça ressemble. C'est un père, un roi, qui a vu que son fils a fait vraiment quelque chose de très grave. Il prend une grosse pierre, il s'apprête à la jeter sur lui. Son conseiller a mis du « arrête, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis « non, j'ai promis, je dois jeter. » Je dis « attends ». Et il va chercher un marteau, il revient, et avec le marteau, il casse cette grosse pierre en petites pierres. Il lui dit « voilà ». Prends maintenant chaque bout, et chaque fois qu'il fera quelque chose, tu n'as qu'à jeter dessus. Évidemment, donc, c'est comme, et c'est ça l'image qui est très très forte dans le Midrash, c'est-à-dire que quelque part, il y a aussi dans cette faute, même si Dieu a échelonné, ils vont tous quand même mourir, mais il y a quelque chose qui est aussi très étonnant, et c'est une phrase que Dieu avait prononcée lors de la faute du veau d'or. Parce que la faute du veau d'or, et là on comprend, que c'est, on est à un autre niveau, puisque c'est la faute où ils ont voulu remplacer Moshe, ils ont voulu remplacer Dieu, peu importe, on a tenu compte comme si c'était de la Avodah Zara, l'idolâtrie, je comprends que c'est très grave. Alors, ça, je fais allusion à ce qui est rapporté dans le livre de Shemot, c'est le chapitre 32, le verset 34, qui dit « Uvyom pokdi upakati alechem ». Alors, c'est comme si, et de là on apprend de ce verset que je vais traduire, que pour chaque faute, il y aura toujours une part de la faute du veau d'or. Donc, la faute du veau d'or, j'ai retenu ma sanction. Mais chaque fois qu'il y aura une autre, sachez que je viendrai, et à ce moment-là, je vous rendrai des comptes. C'est le sens. Le jour où je demanderai des comptes, je leur demanderai compte de leur faute. Donc, de là, les Chachamim disent qu'il n'y a pas une seule faute d'Ebni Israël où il n'y a pas un reste de la faute de Avodah Zara. Et c'est comme si quelque part, comme la sanction sur la faute du veau d'or était suspendue, maintenant qu'ils ont donné l'occasion de les sanctionner par rapport à la faute des explorateurs, des Meragelim, donc je vais maintenant joindre les deux, et maintenant que je dois demander des comptes pour cette faute, je rappelle l'autre faute. Là, tous les commentaires sautent, je dis, mais je ne comprends pas. Même si tu me dis qu'il y a une part de faute de la faute du veau d'or, que je veux bien, que Hachem s'est retenu, je veux bien, mais tu ne peux pas sanctionner pour une faute moins grave, donner la sanction qui était celle de la faute du veau d'or. Là, on a dit que c'est la Lashon Hara, là c'est Avodah Zara. Donc, je ne comprends pas comment tu vas les mettre sur le même niveau et sanctionner l'une comme si j'avais sanctionné l'autre. C'est inconcevable. Ça, c'est, mes amis, la question de ce soir. Une question extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Alors, et curieusement, celui qui va nous mettre sur la bonne voie, en tout cas sur la piste exceptionnelle pour comprendre, et ça c'est un scoop, pour moi ça l'a été, quelle est vraiment la nature profonde de la faute des explorateurs. Et là, vous allez avoir certainement des surprises, puisque j'avais promis des surprises. Et là encore, je vais prendre le texte, et ça se trouve donc dans, où j'ai mis le livre, ici, dans le Rashi. Euh,
et qui dit la chose suivante. Donc, le verset. Alors, je l'ai noté ici. Je vais vous le lire. Alors. Non, parce que je voulais lire avec le Balatourisme. Voilà. Et vous allez comprendre ce qui est dit ici. Donc, nous sommes au chapitre 14, et c'est le verset 4. Juste avant, donc, le peuple se plaint, le verset 3, « Lama Hachem meviotanu, pourquoi Hachem nous amène dans cette terre, l'inpol bacherev, pour tomber par l'épée, nachenu, nos femmes, nos enfants, n'est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Et le verset 4, écoutez bien. « Vayomeru ish el achiv » Et donc, ils se sont dit l'un l'autre, « Nitena roche, plaçons quelqu'un à la tête, venashuva mitzraïma, et retournons en Égypte. » Alors, je vous lis Rashi, « Nitena roche » comme la traduction araméenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Nemane recha nasim alenu meler. On va placer quelqu'un d'autre, on va mettre un roi. Autrement dit, on va remplacer Moshe. Moshe veut continuer à aller en Israël, grand bien lui fasse. Nous, on va choisir un guide et on fait marche arrière. Verabotenu perchu, melech hachamim. Ils ont vu dans ce verset autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont commenté? Leshon a avodazara. Il y a dans ce verset un langage d'idolâtrie. Incroyable. Qui sont ces sachachamim qui nous disent? C'est dans une Gemara, dans Sanhedrin 107, et aussi dans un texte qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva. Et avant de poursuivre, je vais vous lire le Balatourim. Le Balatourim, donc tout le monde ne le présente plus. Nitenarosh, Zehu Avodazara. Il n'y a pas parmi le chemin, Nitena Roche, c'est pas qu'il voulait placer à la tête, il voulait placer à la tête quelqu'un, mais pas pour remplacer Moshe, pour remplacer Dieu. Alors, d'où les Chachamim vont dire ça? Et je vais vous lire tout à l'heure le passage de la Gemara extrêmement intéressant concernant David Ameler d'ailleurs, et de là où on va apprendre. Comme c'est marqué, Vechen Baegel, regardez, même la faute du Vaudor, voilà, c'est le premier qui fait ce lien, Asher Yelchou Lefanenu, voilà, donc on va nommer un Dieu, Asher Yelchou Lefanenu, Asher, qui marchera devant nous? Et qu'est-ce que nous dit le Batourim? Asher, qui? Les Otiyot, Roche. Asher, c'est les mêmes lettres que Roche. Donc, il y a une allusion à Avodazara. Ouma Hatamarbaim Yom, il y a un autre lien. C'est que là-bas, c'était aussi 40 jours. Moshe est monté 40 jours, et au moment où il est redescendu, eh ben, ils ont fait le Vaudor. Afkan, ici aussi, les explorateurs sont partis 40 jours et au bout de 40 jours sont venus. Donc ici, c'est ce même chiffre de 40. Et puis, il dit quelque chose de magnifique, sauf à part Balatourim, je ne sais pas qui aurait pu le faire. Dans ce verset, si je prends les Ish El Achiv, Nitena Rosh Venashuva Mitzrayma, si je prends les premières lettres, et je l'ai fait pour vous, je l'ai calculé, effectivement, donc bon, on fait confiance au Balatourim, ça, il n'y a pas de doute. Mais si je prends Ish el achiv, alef, 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 donc ça fait déjà 3, nitena nun 50, roche 200, ve nashuva, le vav 6, même 40, mitzraïma, ça donne 299. Et il dit 299, c'est la même gematria, la même valeur numérique que avoda zara. Avoda c'est 87, zara c'est 212, 212 et 87, 299. Incroyable. Les amis, incroyable. Donc, on commence à entrevoir ici quelque chose qui nous laisse vraiment bouche bée. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière la faute de Meragelim? La Avodah Zara. Donc, je commence à mieux comprendre que si Hachem a sévi avec une telle dureté et qu'on rappelle le lien avec la faute du Vaudor, c'est qu'ici, il y a aussi quelque chose qui relève de la faute du Vaudor. Donc, et maintenant, écoutez attentivement, vraiment ça vaut le détour, ce qui est rapporté dans le traité de Sanhedrin, donc à la page 107. Donc si après vous voulez pour plus de détails,
Vous pourrez le voir. Donc, je vais lire et traduire très rapidement. Donc, on a parlé de la révolte d'Avshalom, aucun rapport avec notre parasha, mais vous allez comprendre pourquoi. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, donc Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Bikesh David la avod avodazara. David a voulu, il a eu l'intention de pratiquer l'idolâtrie. David Ameller, à quel moment? C'est lors de la révolte d'Avshalom. Avshalom, je rappelle, son fils qui a cherché à le tuer, et David a songé à faire de l'avodazara. Pourquoi? Comme c'est marqué, Shen Emar, Vahi David ba ad harosh, asher ishtachave sham l'elokim. Ainsi qu'il est rapporté, c'est dans le livre de Samuel, Samuel 2, chapitre 15, verset 32. Qu'est-ce qui a marqué? Alors que David n'était bas à la roche, il arrivait au sommet, roche, ici c'est dans le sens de sommet, où il avait l'habitude de se prosterner à Dieu. Et alors, pourquoi je dis qu'il voulait faire de l'avodazara? Ve'en roche el avodazara. Clair, net et précis. Le mot roche fait toujours allusion à l'avodazara. Et d'où on l'a? Chez Néma, et là c'est dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 32. Vehu tsalma reshe didahav tav. C'est le songe de Nabucodonosor. Il a rêvé avec cette statue et la tête était en or. Et donc, comme c'est une statue, c'est le symbole même de la Avodazara, de l'idolâtrie, et on parle ici de la tête. Et la traduction, c'est la statue avait la tête riche en or fin. Et donc, Vehine likrato, Hushi ha'arki, Karua kut noto, va adama al rosho. Alors que David, il songeait à faire l'idolâtrie, voilà, ça c'est la suite du verset, voici venir à sa rencontre Hushai, le Archéen. Il avait la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Alors à Marlol et David, il lui a dit à David, Yomeru meler shekemotraya avod avodazara, mais qu'est-ce qu'ils vont dire qu'un roi comme toi a fait de la avodazara? Mais ça ne va pas, toi qui est l'exemple même, le prototype du roi d'Israël, on va dire que toi tu as voulu faire de la avodazara. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment il a pu s'adonner à l'idolâtrie? Et tu auras fait un Chilul Hashem monstrueux. Alors, Amarlo, David a répondu à Hushai, Meler Shekemoti, Yahargenu Beno. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce qu'un roi, que tout le monde pense que je suis pieux, que je suis quelqu'un qui mérite de vivre, comment ils vont comprendre que Avshalom, son fils, l'a tué? Alors, si je fais semblant, c'est comme ça que les commentaires vont dire, si je fais semblant de faire Avodah Zara, ils ont dit que Avshalom m'a tué parce que j'ai fait Avodah Zara. Mais s'il me tue juste comme ça, ils vont se dire, mais c'est ça la maison de David, c'est ça la justice divine, c'est un Chilul Hashem pas possible qui va sortir de là. Donc, Mutav Ya'avod Avodah Zara, il vaut mieux que Ve'al Yitralel Shem Hashem Befar Esia, il vaut mieux que moi je fasse Avodah Zara plutôt que son nom soit profané. Et bon, la suite de la Gemara, c'est la réponse de Hushai qui lui dit, tu te trompes. Pourquoi tu as épousé une Yefat Toar. Donc, et pourquoi il lui demande ça? Yefat Toar, c'est la belle captive, rappelez-vous, à Marley, Yefat Toar Rahamana Sharia. Mais qu'est-ce que tu me dis? La Torah a permis la Yefat Toar. Oui, à Marley, Lodarashta Semurin, mais tu n'as pas fait justement la juxtaposition. À quoi est juxtaposée la belle captive? Au Ben Soreru Moré, le fils rebelle et dévoyé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les gens savent qui est la mère. C'était, et c'est comme ça que c'est marqué, c'était Ma'acha Bat Avour. C'était donc une reine connue. C'était Talmai Meler Geshur, pardon. Donc c'est le roi de Geshur. Donc tout le monde sait que tu as pris une belle captive. Donc tout le monde sait que Avshalom est un fils rebelle. Donc il n'y a pas de. Même si tu viens à mourir, personne ne dira qu'il y a un Chilul Hashem. C'est parce qu'on sait que c'est un fils rebelle. C'est ce que Hushai a voulu dire. Donc, tout le monde dira que c'est à cause de ça que tu es mort. Si jamais il arrive à te tuer. Alors, énormément d'explications, mais comment on peut imaginer que David a songé? Évidemment, on dit qu'il a voulu faire semblant de faire Avodah Zara. Il y a même une idée très, très gênante qui dit qu'il a voulu quitter la terre d'Israël. Et comme c'est marqué dans Ketubot 110, c'est que celui qui quitte la terre, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Donc, en quittant la terre pour avoir la vie sauve, et il voulait laisser la place à son fils.
vient Rabbi Yonatan et Peshutz dans son livre Ya'alot Dvash et explique ce passage d'une manière très belle. On dit, et ce n'est pas contradictoire, mais c'est complémentaire. Je dis, ben, même si je dis que quitter la terre d'Israël, si c'est pour sauver sa peau, donc imaginons, et c'est pour laisser la place à Avshalom. Et quoi? Il laissait le trône à Avshalom. Et qu'est-ce qui a marqué? Que Kol Ha'amid Dayan chez Eno Hagun, que Ilu Notea Ashera. Celui qui nomme un juge qui n'est pas Hagun, qui est incompétent, c'est comme s'il plantait Ashera. Ashera, c'est un arbre qui était réservé à la Vodazara. Donc, fuir et laisser la place à ton fils, hein, eh ben, c'est comme si tu faisais de la Avodazara. Donc voilà comment on peut expliquer ce passage. En tout cas pour nous, une chose est claire et certaine, c'est qu'il est question toujours ici de Avodazara. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que finalement, de quelle est la faute des Bnei Israël, c'est que Nitenarosh, il voulait retourner à la Avodazara. Donc sous forme d'Égypte, sous forme Nitenarosh. Donc, on ne veut plus être sous la tutelle divine. C'est fini. Et donc, là, on est sous le choc de voir que, finalement, c'est cette faute-là qu'on reproche au Bnei Israël. Et j'avais dit qu'il y avait aussi un autre texte, comme Rashi le rapporte, c'est Otiot de Rabbi Akiva. Un texte magnifique. Il faudra peut-être un jour qu'on s'y penche. Et c'est quoi? C'est les lettres de Rabbi Akiva. Quoi, il y a des lettres spéciales? Non. Il a écrit un livre qui est considéré comme un midrash, vraiment une référence dans ce domaine, et où chaque lettre se présente devant Dieu pour argumenter pourquoi la Torah devrait commencer par elle. Donc arrive la lettre tête, la lettre tav, qui dit le mot Teshuvah, moi je suis aussi dans Emet, etc. Bon, chacun. Et lettre après lettre, Dieu va évidemment la rejeter, puisqu'on connaît la suite, il faudra atteindre la lettre bête, puisque la Torah commencera par la lettre bête, Bereshit, et c'est celle qui va être retenue, parce qu'il y a Beracha, il y a plusieurs réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment la lettre Resh. La lettre Resh vient et dit, mais Hachem, c'est sûr que tu dois commencer par moi. Je dis pourquoi? Parce que tu dois commencer Reshit Bara Elohim. Dieu a créé le début. Donc Reshit, sans le bête. Donc Reshit, voilà. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a écrit? Le roi David, qu'on vient de citer, Rosh Devarcha Emet. Le début de ta parole, c'est Emet. Donc Rosh, le début, c'est la Torah. Et ta Torah doit commencer par Rosh, par Reshit. Donc, ce n'est pas tout à fait faux, parce que c'est Bereshit, mais il y a le mot Reshit. Reshit, Rosh Devarcha Emet. Et à part ça, il n'y a pas que la Torah, mais toi, Hachem, toi, tu es Rahman, tu es miséricordieux, ça commence par Resh. Tu es Rofe Chol Basar, tu guéris toute chair, tu commences par Resh. Donc, il a commencé, là. Alors, etc., etc. Dieu l'arrête, il dit stop, je ne peux pas. La pauvre lettre Resh dit, mais pourquoi Hachem? C'est parce que c'est à cause de toi qu'ils vont retourner à la Vodazara. À moi? Il dit oui. Et quel est le pasouk qui est Becha Atidim Lachazor le Avodazara? À part toi, ils vont reprendre la Vodazara. Et quel est le verset qui est cité? Nitenarosh, le verset de notre paracha. Nitenarosh, pour Rabbi Akiva, il ne fait nul doute que Nitenarosh, le Balatourim l'a expliqué, Rachid le rapport, dans la Gemara on le rapporte. Donc le mot Roche est synonyme de Avodazara. Donc pour là, il n'y a plus rien à faire donc, avec cette lettre et on commence à comprendre un petit peu mieux pourquoi donc, Hachem a été tellement, tellement dur. Et du coup, on a aussi la réponse. Comment on a pu comparer à la faute du Vaudor, du Chet HaEgel, mais parce qu'on est dans le même domaine, mes amis. Si je dis que la faute d'Ebné Israël ici, elle se situe au niveau de la Vodazara, donc je suis face à une autre faute de la Vodazara, et pourquoi Dieu va sévir ici ce qu'il n'a pas fait dans la faute du Vaudor? Parce qu'il avait dit, le jour où vous fauterez, alors je demanderai des comptes aussi pour la faute du Vaudor. Et comme ils ont fauté encore de Avodah Zarah, alors la sanction qui attendait la faute du Vaudor, c'est maintenant qu'elle va tomber. Et tout ce que Moshe a réussi à faire, c'est juste, encore une fois, comme on l'a dit, étaler cette sanction en 37 ans, 38 ans, pour ne pas que les nations disent que Dieu les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce passage. Donc déjà, si on fait un petit résumé, donc on a compris que outre la faute des Meragelim,
eux qui ont fait du lashon hara, mais du coup, pourquoi eux aussi ont mérité la mort? C'est pas simplement par lashon hara, parce que par leur attitude, ils ont incité les autres à faire de la avoda zara. Et quand je sais que quelqu'un qui incite à faire de la avoda zara, il n'a pas de pardon. Évidemment, l'autre, s'il fait de la avoda zara, et ça c'est la question qui reste, hein, pourquoi? Parce que ils ont eu l'intention de faire avoda zara, mais ils n'ont pas fait concrètement. Donc Dieu n'a jamais sanctionné sur une intention. Donc je suis sûr que si on était en direct et que je vous avais donné la parole, vous auriez trouvé cette question. C'est une question extrêmement puissante. Donc d'accord, j'ai eu l'intention de tuer quelqu'un, Chas v'Shalom, mais Hachem n'a pas dit tu as tué, mais il est vivant. Oui, j'ai acheté l'arme, j'ai déjà le plan, je savais quand, etc. Mais on ne peut pas m'accuser d'avoir tué quelqu'un juste parce que il y a eu la préméditation, mais il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte concret. Donc, comment ils sont morts malgré tout? Si je dis qu'ils ont eu l'intention de faire de la avoda zara, et on n'a pas vu dans le texte par la suite où ils ont vraiment accompli leur dessein. Alors, pour ça, il faudra attendre un petit peu. Donc, la réponse, elle viendra par la suite dans la paracha. Oui, la paracha a la réponse à toutes nos questions. Mais si on poursuit la paracha, il y a juste après cet épisode un texte qu'on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Alors, nous sommes à la fin du chapitre 14. Je vous lis les deux derniers versets. Ils montèrent avec des filles au sommet de la montagne, mais ni l'arche de l'alliance de Moshe quittèrent le camp, et les Amalécites et les Cananéites, suivis aussi des Amoréens qui habitaient sur la montagne, descendirent, les frappèrent et les écrasèrent. Donc, ils les ont suivis jusqu'à un endroit qui s'appelle Chorma. Ça, c'est pour ceux qui ont, malgré tout, voulu continuer à aller en Israël. Moshe leur a dit, surtout pas, ils n'ont pas écouté. Et ça se termine avec ça. Chapitre 15. Aucun rapport. Alors là, aucun rapport. De quoi on va parler? On va dire, Dieu a dit, lorsque vous arriverez dans le pays de vos lieux d'habitation, que je vous donne, et que vous ferez une offrande, donc une offrande d'élévation ou un vœu comme sacrifice, qu'est-ce qu'ils doivent apporter avec eux, ce que le texte dit, et tu offriras un quart de hin de vin. Donc, on y introduit ici les offrandes de grains surtout, mais et libation du vin. Qu'est-ce que la libation en hébreu, le neser nisuchin, qu'est-ce que les Nessarim viennent faire ici après la faute de Meragelim? Ben, si ça concerne les sacrifices, on a un peu de retard. Il aurait fallu les inclure dans le livre de Vaïkra. On a donné en long et en large tous les détails. Pourquoi maintenant? Et juste après, donc après donner tous ces détails, on nous parle d'une autre, et ça c'est encore assez étonnant, c'est lorsque le texte dit « Bevoachem et la aret », c'est au verset 18, parle aux enfants et dis-leur, lorsque vous arriverez dans le pays où je vous conduis, lorsque vous mangerez du pain, vous offrirez une part comme offrande élevée à Dieu. Comment s'appelle cette mitzvah, Tarim uteruma, et comment elle s'appelle Ereshit arisotechem, c'est donc la première de votre pâte, le début de votre pâte, c'est quoi? Chala tarimu. C'est la mitzvah de la chala. Qu'est-ce que ces deux lois viennent faire ici après la faute du Vaudor? Alors, il y a à cela deux explications très intéressantes, bien sûr. Si vous regardez le texte, les deux passages commencent par Daber Israël Vamatalem Bevoachem El Aret, lorsque vous viendrez. Ou alors, le début, qu'est-ce qui a marqué? Kitavo El Aret, comme une promesse faite par Dieu lorsque vous viendrez, lorsque vous arriverez. C'est-à-dire, n'allez surtout pas croire que maintenant que j'ai sévi, que j'ai condamné toute cette génération à mourir dans le désert, que c'est fini. Non. Dieu essaye de les rassurer parce que ces deux mitzvot sont liées à la terre d'Israël et surtout la mitzvah de la chala
parce que toutes les autres mitzvot, il fallait attendre la répartition, donc 14 ans après la conquête. Donc une fois que Yoshua va rentrer en Israël, donc il faudra attendre 14 ans pour commencer à faire les mitzvot. Sauf la mitzvah de la challah. Dès qu'on mange du pain, il faut prélever tout de suite la challah. Et le Shulchan Aruch va stipuler que cette mitzvah de challah est tellement importante que même en dehors d'Israël, je dois la faire. Mais il y a marqué clairement « Bevoachem » lorsque vous viendrez en Israël. Donc, quel lien, pourquoi la faire en dehors d'Israël? Et le Sefer HaChinuch donc, donne une explication très intéressante. « Shelot ishtakar mi-Israël » de peur qu'on oublie cette mitzvah. Et on n'a pas dit qu'on met les tefillin en dehors d'Israël pour ne pas les oublier quand on vient en Israël. Je veux dire, pourtant, les troumotes, on ne les fait pas. L'année de Shemitah qui est liée à Israël, on n'a pas dit « fais-les en dehors aussi pour que tu n'oublies pas quand tu vas venir ». Pourquoi la challah ? En gros, ça c'est la vraie question. Qu'est-ce que la challah a de particulier et tellement urgent, et même la libation du vin, je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Alors, je peux, comme je viens de le dire, première explication, c'est pour nous montrer que Dieu cherche à rassurer le peuple, sachez que malgré ce décret, vous pourrez venir en Israël, et voilà, deux mitzvot. Une autre opinion nous dit, non, c'est le Tana de Béliahou, donc ça, c'est la réponse que je viens de donner. Hachem dit à Moshe, va consoler le peuple et donne-leur donc, ces deux lois qui sont des mitzvot liées, Nesachim et Challah, parce que ce sont des mitzvot qui sont liées à la terre, et comme ça, ils seront un peu rassurés, consolés. Hameragelim, lo yecholim nikanes. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après le Yerushalmi? C'est une autre réponse. Lorsque les Meragelim, les explorateurs, les espions sont arrivés, Moshe était en train d'enseigner la Torah. Et qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait ces deux lois, les lois de Nesachim, des libations, et de Challah. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous perdez le temps? De toutes les façons, on ne pourra jamais rentrer en Israël. Ce sont deux mitzvot qu'on ne fera jamais. Donc, comme ils sont venus quelque part nier et enlever c'est l'importance de ces deux mitzvot qui sont liés à la terre, alors la Torah vient au contraire les mettre juste après, vous n'aurez pas raison, vous mourrez, vous ne rentrerez pas, mais ces deux mitzvot, vous les ferez et vous rentrez en Israël. Donc une forme de, on va dire, de consolation, comme on l'a dit au début. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Après, donc ça c'est les deux mitzvot qui suivent, et arrive enfin un autre passage dans cette paracha qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Bon, là on a eu un peu de mal, mais on s'en est sorti avec les libations, les Nesachim et la Challah, et on va évidemment y revenir, mais là, et par la suite, je vais vous le lire parce que sincèrement, on ne comprend pas très très bien qu'est-ce que ça va me faire ici. Alors, c'est à partir du verset 22. « Vechitishgu velotaasu » Si vous vous trompez, « velotaasu » et vous ne faites pas, vous n'accomplissez pas quoi ?« Et kol mitzvot haele » Toutes ces mitzvot. Lesquelles ? Je ne l'ai pas marqué. « Asher diber Hashem Moshe » que Dieu a ordonné à Moshe. « Et kol ashetiva alechem bien Moshe » Tout ce que Hashem vous a ordonné par l'intermédiaire de Moshe. « Minayom ashetiva vahal'a » Du jour où il vous l'a ordonné. Et pour toutes les générations, c'est quoi on parle? C'est de quoi on parle? Si on se trompe, de quoi? Dans quelle mitzvah? Heureusement, encore une fois, qu'on a Rashi. Et là aussi, on va être très, très, très étonné. Alors, Rashi va nous dire « Vechitishgu velotaasu » Mais de quoi on parle? « Avodazara » Ça revient. Donc, tout ce passage parle d'une faute de « Avodazara ». Si on s'est trompé et on a fait quelque chose qui relève de la Vodazara, ou les Enei Haïda, si le Sanhedrin a permis de faire quelque chose, il s'est avéré que c'était involontaire, mais c'est considéré comme la Avodazara. Donc, comment on peut justement racheter la faute de la Vodazara? Quels sont les deux sacrifices, les corbanotes qu'on doit apporter, etc. Et pourquoi ça vient encore une fois ici? Pourquoi on n'a pas. C'est des corbanotes, etc. Mais tout ça, on a fait en long et en large pendant le livre de Lévitique, dans Vayikra. Pourquoi l'avoir inséré ici? On ne comprend pas. Alors, Avoda Zara Haïta Bichlal Kola Mitzvot. Quand la Torah fait allusion à toutes les mitzvot, c'est l'Avoda Zara. Pourquoi?
Parce que si elle fait partie d'une globalité, pourquoi ici elle sort? Parce que ici on va nous dire exactement que pour l'Holocauste, il y a un taureau, et pour un khatat, pour le délictif, la faute, c'est un saïr, c'est un bouc. Très bien. Ba'avoda Zahara, katoub medaber. Si tu avais un doute que ce texte parle de Avoda Zahara, alors je peux dire, oh, enoela be'achad mikola mitzvot, peut-être qu'on parle de n'importe quelle mitzvah que j'ai mal fait. Talmud lomar, et kola mitzvot aele. Pourquoi le texte incite toutes ces mitzvot? Et alors, mitzvah achat, shehi kola mitzvot. Quelle est, c'est une mitzvah qui représente toutes les mitzvot, ma. Pourquoi? Parce que celui qui fait la Avodah Zarah, c'est comme s'il se délestait du joug divin, ou mefer berit, ou mégalé fanim. Et là, il annule l'alliance, et il mégalé fanim, il se montre hautain. Donc, et c'est très intéressant, parce que il est dit que il y a trois choses, donc trois buts dans les mitzvot, et qu'en faisant cela, donc, quelque part, on annule ces trois domaines dans la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on parle ici de la Avodah Zarah, parce que la Avodah Zarah, c'est celle qui est comparée à toutes les autres mitzvot, comme dit ici Rashi. Mais quelle est cette faute où je peux annuler, je peux nier l'essentiel, etc. Zo Avodah Zarah. Donc, même si le texte ne dit pas clairement, il est question ici de la faute de Avodah Zarah. Très bien. Mais ça n'explique pas pourquoi donc, on a introduit ici la faute de Avodah Zarah. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Si maintenant je dis que la faute des Meragelim, c'est de la Avodah Zarah, donc la paracha commence par une faute qui est liée à la Avodah Zarah, et ce texte, bon, à la fin, il y a le Mekoshesh Etzim et les, ça c'est à part, mais ici, tout ce passage se clôture encore par la faute et comment je fais l'expiation pour une faute de Avodah Zarah. Et alors, je peux comprendre un peu mieux pourquoi ça trouve sa place ici, mais c'est le Midrash qui va poser la question, pourquoi on a juxtaposé ici la Avodah Zarah à la mitzvah de Chala. Mais avant de répondre à ce que le Midrash nous dit, je vais vous lire deux passages extraordinaires. Vechitishu, si vous vous trompez. Le premier, c'est le Ramban. Zebefi mashma'o hu korban ha-meshumar lechol ha-Torah b'shogeg. Donc ici, il est question d'une faute qui concerne donc bishgaga, involontaire. Ça, on l'a expliqué. C'est le Sfor, donc je vais vous lire. Et alors, le Sfor nous dit kvarit ba'er ba'kabbalah shebishgat avodah zarah katuv medaber. Donc, comme l'a dit Rashi, on parle ici d'une faute de Avodah Zarah involontaire. Très bien. Mais achash nigzar lehapil zaram bagoyim lo haya nimna sheyishgu ba'avodah zarah beshuvam le'artzam, puisque ça pourrait, c'est une faute qui risque de se voir. Très bien. Alors, il dit par la suite, mikevan sheyishgu ba'avodah zarah hinei afal pi sheta'asu kol peulot ha-mitzvot lo ta'asu otan ha-mitzvot. Même si vous faites d'autres mitzvot, si vous fautez par la Avodah Zarah, toutes les autres mitzvot ne comptent pas. Pourquoi? Ki hu yidbarech yigdin lekulan yedirat el haruto. Et on insiste, je vous avais lu avec insistance les lois, les commandements que Dieu a ordonnés à travers Moshe. Quels sont les deux commandements qu'on a reçus directement de Dieu? Anochi Hashem lo yelecha. Les deux premiers commandements parmi les 10. Et c'est quoi? Je suis acceptation du jour divin. Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre divinité, c'est la Avodah Zarah. Anochi Hashem lokecha vechen amru, hamode ba Avodah Zarah ke kofer bechol haTorah kula. C'est comme ça que ça a apporté dans le Sifri, dans le Midrash. Celui, hamode ba Avodah Zarah, celui qui reconnaît une forme d'idolâtrie, ke kofer kol haTorah, c'est comme s'il niait toute la Torah. Donc c'est extrêmement, extrêmement grave. Et ce que je vais vous lire, mais je vais le dire parce que c'était un petit peu long, mais c'est aussi très, très beau, c'est le Kli Yakar sur ce passage qui fait remarquer que dans le mot « khatat », il manque un « aleph ». Le mot « khatat », normalement, c'est écrit avec un « aleph », et il n'y a pas. Alors, comme c'est un peu long, je vous donne le résumé.
Donc, normalement, pourquoi il y a deux fautes, deux corbanotes, deux sacrifices, hein, Ola et Khatat. Khatat, c'est pour l'action. Et Ola, c'est pour l'intention. Jusque-là, ça va. Donc, je considère que, comme j'ai fait inintentionnellement, donc je ne me suis pas concentré, donc je dois apporter les deux. Dans une faute normale, comment je procède? J'apporte toujours le Khatat, parce que j'ai dit que c'était l'action, et j'apporte ensuite le Ola. Sauf, nous dit ici le Kli Yakar, donc le Kli Yakar, c'est Rabbi Shlomo Ephraim Luntshitz. Donc, mais bon, on l'appelle toujours le Kli Yakar. Donc, lui, il nous donne une explication magnifique et il nous dit, sauf dans l'Avodah Zara. Pourquoi? Parce que c'est la seule faute où je suis déjà condamné par l'intention, c'est-à-dire par la pensée. Donc, du coup, je n'apporte pas le khatat, c'est pour ça qu'il est défectueux en disant non, ne fais pas d'abord le khatat, d'abord on l'a. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qui détermine dans la faute dans l'idolâtrie, c'est la pensée. Donc d'abord, tu apportes Ola et ensuite Khatat. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il ajoute quelque chose de très beau en disant, et pourquoi c'est le Aleph qui manque? Aleph, c'est Aloufo shel Olam. C'est parce que par cette faute, c'est comme si tu avais retiré Dieu du monde. Le Aleph, Aleph, c'est le seul qui est unique, un seul, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il dit, Ve zeachote ba'avodazara machish ardouto. Il nie l'unité, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, ve'en Elohim. Alors c'est pour ça, ve'al ken chaser Aleph bechatat. C'est pour ça qu'il manque le Aleph achatat. Voilà. Donc pour ce que je voulais vous dire par rapport donc à ce passage, on n'a pas encore toutes les réponses. En tout cas, on a répondu déjà pourquoi ils sont déjà condamnables, même s'ils n'ont pas réalisé une action concrète. C'est encore une fois, c'est parce que dans la faute du Vaudor, c'est déjà considéré au niveau de l'intention. C'est tellement grave que si au niveau de la pensée, ils ont déjà pensé à la Avodah Zara, ils sont déjà condamnables. Et la condamnation, évidemment, comme dans les Aseret HaDibérot, c'est la peine de mort. Et là, je comprends parfaitement pourquoi ils ont été sanctionnés par cette faute. Donc, tout s'explique. Et pourquoi la place de ce passage qui nous parle de la Avodah Zara, pour que l'on comprenne, comme par allusion, que si je l'ai mis ici, c'est pour que tu comprennes que c'est ça ce que je vais imputer à cette génération du désert. Très bien. Jusque-là, je comprends. C'est magnifique. Bon, tout ce que vous voulez. Maintenant, le Midrash vient et dit, bon, pour l'instant, j'ai compris, mais pourquoi maintenant, challah, c'est la mitzvah de challah, du pain, pourquoi la mitzvah de challah, elle est collée à la Avodah Zara? Puisque si tu voulais me dire que la faute de Meragelim, voulais me faire une allusion qu'il y a ici de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, alors colle, pourquoi tu as fait un blanc et tu as mis ici les libations et la challah? Parce que comme si je voulais que la challah soit plus proche de la Avodah Zara. Apparemment, c'est ce que je voulais. Et c'est un midrash qui est dans Vayikra Rabba, la source, c'est le chapitre 15, le paragraphe 6, qui nous dit quelque chose de vraiment assez surprenant, assez surprenant. Oui. Alors, il dit comme ça. D'après les Chachamim, pourquoi le commandement de la challah est juxtaposé à, justement au rachat concernant l'idolâtrie? Parce qu'on considère, les mots du Midrash disent, que celui qui accomplit le commandement de la challah, c'est comme s'il contribuait à annuler la Avodah Zara, à annuler l'adoration des idoles. Et celui qui n'accomplit pas la mitzvah de la challah est considéré comme si mekayema, c'est comme s'il l'a perpétuée. Je vous le dis en hébreu, et c'est au nom de Rabbi Yochanan, Kol ha-mekayem mitzvat challah ke'ilu mevatel avodah zara. Ve kol ha-mevatel mitzvat challah, celui qui n'accomplit pas la mitzvah de la challah, ke'ilu mekayem avodah zara, c'est comme s'il perpétuait, il permettait à la avodah zara de se maintenir. Stop. Là, on est en train de dire que la challah, c'est comme si je ne fais pas la challah, c'est comme si je faisais de la avodah zara. Attention, mais c'est quoi prendre un petit bout, une petite portion de pain, de la pâte, dès qu'elle est pétrie? Donc, je la prends, je vais la porter au Kohen, bien sûr, mais aujourd'hui, même en Israël, même en dehors d'Israël, comme je ne peux pas, je l'abîme, je la mets à la poubelle, il y en a qui la brûlent, mais pour ne pas que personne n'en profite, ça, quel rapport avec la Avodah Zara?
Quel rapport avec l'avodah zara? Un petit morceau de pain, de pâte que j'enlève, et c'est ça, avec ça, que je suis en train de lutter contre l'avodah zara. J'aimerais bien comprendre comment. Et là, c'est l'explication qui arrive, qui est tellement belle. Alors, déjà, il faut savoir que de toutes les mitzvot, et c'est le Shulchan Aruch qui dit que la challah a une place prépondérante. Là, c'est la seule qui a été accomplie dès qu'ils ont traversé le Jourdain. C'est-à-dire, dès qu'ils ont mis les pieds en Israël, ils ont commencé à accomplir la challah, contrairement à toutes les autres mitzvot. Alors, où je vois que c'est tellement important, et surtout que je n'ai pas encore compris comment c'est lié à la Avodah Zarah. Et pour les femmes qui nous écoutent et qui nous écouteront, ben, vous connaissez ce fameux passage dans Bamé Madikin, dans le traité de Shabbat, la Mishnah, que l'on lit, nous, les hommes, tous les vendredis soirs à la choule. Et qu'est-ce qu'on dit? Al Shalosh Averot Nashim Metod Besha'al Ditan. Il y a trois fautes, à cause de trois fautes, les femmes peuvent mourir au moment où elles donnent naissance. Al She'enan Zeirot, parce qu'elles ne sont pas attentionnées, elles ne sont pas, on va dire, scrupuleuses. Al Shalosh, donc, Al She'enan Zeirot, et elles ne font pas assez attention à quel mitzvah, Nida, Chala et Adlakat Nerot. Et on retrouve ici la Chala. Donc, la Chala, comprenez bien que ce que je ne comprends pas ici, c'est si un homme habite seul, ou il veut faire du pain, il fait la Chala, alors pourquoi lui, il n'est pas en péril? Pourquoi lui, on ne va pas dire, ah, attention, on n'est pas en train de parler de ne pas accomplir la mitzvah de Nida, toutes les lois référentes à la pureté familiale, ou le Shabbat, de ne pas être attentif. Et vous remarquerez que dans les trois, on exige une précision. Par exemple, le Shabbat, je ne dois pas jouer avec les limites de temps. Je ne dois pas utiliser les 18 minutes. Donc, l'entrée de Shabbat, comme à Yerushalayim, on ne fait pas 18 minutes, mais 40 minutes avant le coucher du soleil, on commence à allumer. Donc, on est extrêmement attentif. Pour Nida, je ne fais pas plus ou moins les jours. Je sais que les jours sont précis. Si la tâche, la taille de la tâche est précise, donc je ne peux pas faire du plus ou moins. Ça doit être extrêmement précis. Et ne pas être précis, c'est considéré comme une transgression. Et c'est ce qui est étonnant. Et la challah, ben, je veux dire, au lieu de faire 1,650 kg ou 660 kg, je vais faire 1,5 kg, comme ça je ne me prends pas la tête, la challah, après la brûler, etc. Et tu ne vas pas accomplir cette mitzvah. Alors, on va revenir après sur l'aspect féminin de ces trois dimensions, de ces trois fautes, mais je voudrais avant tout revenir sur cette question concernant la challah avec la Avodah Zarah, et parce que ce n'est pas très très clair. Alors, sachez, mes chers amis, qu'il y a dans l'action de pétrir, hein, quand je fais le pain, on sait qu'il y a 10 actions nécessaires avant l'obtention du blé. Donc, je dois labourer, je dois semer, je dois ensemencer, je dois après vanner, tous les 10 travaux qui sont interdits le Shabbat. Donc, et c'est l'une des raisons pour lesquelles quand je prends le pain, je dois le prendre avec les 10 doigts. Toutes les autres brachot de consommation comporte 9 mots. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Bore Peri Haetz, Shehakol Niyah Bidvaro, Bore Peri Adama. Pour le pain, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Donc il y a 10 mots. 10 mots par rapport à cela. Certains disent, ce n'est pas par rapport aux travaux, mais c'est par rapport aux 10 mitzvot que je fais quand je mange le pain. Pourquoi? Parce que quand je vais labourer, la Torah m'a dit, attention, n'utilise pas le taureau et l'âne. Lorsque je vais ensemencer, attention, ne mélange pas. Lorsque je vais commencer la récolte, attention, tu ne dois pas, au moment où tu vas récolter, mettre la muselière à l'animal. Attention, au moment de la récolte aussi, de laisser l'équet, shicha et péa. On avait parlé, le coin, ce qui tombe, etc. Ensuite, la terouma, je dois prendre pour le Kohen. Après, pour le Lévi, maaser sheni, aussi pour le pauvre, selon les années, ce que je dois aller manger à Yerushalayim. Et la dernière, la challah. C'est-à-dire, avant de manger, donc, il y a la mitzvah de la challah. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que tout le reste, toutes les premières, c'est des mitzvot que je fais dans les champs. Tout.
Donc, pourquoi? Parce que c'est avant. Mais qu'est-ce que j'aurais pu me dire? Une fois que j'ai maintenant le grain, le blé, j'ai déjà fait toutes ces mitzvot, j'ai déjà tout donné à chacun ce qu'il méritait. Maintenant, je prends ce blé, maintenant je vais le moudre et je vais obtenir mon pain. Qu'est-ce que j'aurais pu me dire? Voilà, ce que je devais donner, j'ai déjà donné quand j'étais dans les champs. Maintenant que je suis chez moi, c'est fini. Donc maintenant, c'est moi qui vais moudre, qui vais pétrir, etc. Qui vais... Non, Hachem te dit non. C'est maintenant, une fois que tu vas obtenir cette pâte, qu'est-ce que tu aurais pu te dire? Eh bien, ça n'a rien à voir avec Hachem. Moi, Hachem, je lui ai donné son tribut dans le désert, dans le champ, quand j'étais déjà tout ce que j'ai donné. Mais chez moi, c'est mon effort à hein, moi qui va me permettre d'avoir le pain. Stop. Non. Maintenant que tu as la pâte, hein, que tu te dis, tu aurais pu te dire hein, que ça, c'est ton effort à toi, c'est toi qui mérites. Dans le champ, c'est grâce à Hachem qui t'a envoyé la pluie, le beau temps, tout ce que tu veux. Mais maintenant que je suis chez moi, tu risque d'oublier Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem te dit? Stop! Prends un petit bout et va le donner encore au Kohen, c'est-à-dire pense à Hachem avant de penser à toi. Et pourquoi? Parce que cette petite portion, qu'est-ce que je suis en train de dire? Hachem, je sais que tout ce que j'ai, c'est de toi. Et vous comprenez que écarter Dieu et dire ce que moi j'ai obtenu, c'est mon effort, hein, c'est assimiler, ça frôle un petit peu l'idolâtrie. De se dire que ce que j'ai, c'est mon mérite. Donc, au moment où tu t'apprêtes à enfourner cette pâte, stop, tu l'as, maintenant tu prends un petit bout, et c'est comme ça que tu reconnais que tout vient d'Hachem. Et c'est comme ça que on a vu cet exemple-là, même si on ne pense pas, avec Caïn et Hevel. Rappelez-vous, Caïn travaille la terre et Hevel au-dessus les animaux. Qu'est-ce qui a marqué pour Hevel? Mi bechorot sono, il a apporté les prémices de ces animaux. Alors, lui, il aurait pu se dire, moi, la vérité, je n'ai rien fait. C'est Hachem qui a fait la nature. Et chaque fois que ben, y a le bétail, il grandit, moi, j'interviens pas. Donc maintenant que je vais offrir à Dieu, je vais offrir les meilleurs, la première partie, les premiers pour Hachem, les Bechorot. Donc c'est les prémices. Parce que tout revient à Hachem et il est conscient de cela. Mais celui qui travaille la terre, il se dit, je travaille autant qu'Hachem. Hachem, il met la pluie, mais tout le reste, c'est moi qui le mets. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Eh bien, il a d'abord mangé l'huile, s'est servi, et ensuite, il a servi Hachem. Non, mon ami. Et ça, c'est pour ça qu'Hachem n'a pas accepté cette offrande. Parce qu'il y avait un peu de Avodah Zara dans la manière d'offrir de Caïn. Et quelle est le tikkoun, la réparation à cela? On dit justement, c'est la challah. La challah, par ce petit geste, par cette petite portion, je suis en train de reconnaître que même un petit peu, il n'y a pas mesure vraiment, mais pour reconnaître que tout vient d'Hachem. Et c'est ça qui a manqué. Et maintenant, je comprends que celui qui accomplit cette mitzvah, eh ben, il est en train de lutter, il repousse la Avodah Zara parce qu'il se renforce dans le fait que tout vient d'Hachem, que c'est à Hachem qu'il doit toute sa réussite et tout ce qu'il possède. Et contrairement, si je dis, ah, moi, je n'ai pas besoin, moi, pourquoi là, là. Quelque part, il va se dire, Kochi ve'otsem yadi, c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'a permis d'obtenir la réussite, d'atteindre la réussite que j'ai. Et ça, mes amis, c'est de la Avodah Zara. Donc, et quel est l'antidote pour cette forme de Avodah Zara, précisément? C'est encore, comme on l'a dit, c'est la mitzvah de la Challah. Et on a un autre exemple très, très beau dans la Gemara. C'est le Koufbet. Koufbet, c'est 102. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il y a un passage où Ravashi donc, est en train de donner une leçon et c'est le Perek Chelek. Tous Israël a une part au monde futur, sauf, et on dit là-bas, on donne là-bas, il y a trois rois qui n'ont pas de part au monde futur, Yérovam, Jéroboam, Achav et Ménaché. Achav, donc une Gemara extrêmement intéressante que vous verrez si, pour plus de détails. Achav, il est Ar Bashamayim, mais Av de la Avodah Zara. Donc,
Arla Shamaim, vous verrez là-bas pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Donc, et il est en train de parler et il a dit, bon, demain, on va continuer dans la Mishnah. Le machar niftar bechaverin. Demain, on va commencer à étudier la Mishnah concernant nos amis, nos collègues. La nuit, Ata Menaché, itrazele bechalbe. Donc, Menaché est venu en rêve et lui a dit, Chavra, bechaveria avour, kaditla, est-ce que tu m'as appelé ton collègue ou le collègue de ton père, mais on a élevé des cochons ensemble, mais comment tu oses? Et a dit, mais Echabait, les Mishra Motsi, je vais te poser une question, on va voir. D'où il faut faire quand tu fais le Motsi, où tu dois couper pour faire la bénédiction du Motsi? Amarle le Adan. Ravashi a dit, je ne sais pas. Alors bon, les commentaires disent quoi? Ravashi, lui-même, il ne savait pas. Oui, il connaissait la réponse, mais il ne savait pas l'endroit. C'est quoi la réponse? Ravashi lui dit, Debait, les Mishra Hamotsi, Logmira. Quoi, tu ne sais pas où il faut couper? Vechavrer, et alors que tu m'appelles ton ami, ton collègue, alors que tu ne connais pas la réponse? Alors il dit, Agmireli, alors enseigne-moi s'il te plaît. Et Machar, et demain quand je vais enseigner en ton nom. Et il lui a dit, Mehra de Karim Bishula. C'est là où la partie qui est cuite et dure, qui durcit, croûte, qui se fait une croûte. Alors c'est vrai, quand j'en vois une pain, je ne sais pas exactement, c'est ce que Ravashi ne savait pas, c'est où était cet endroit. Alors il lui dit, Mehar de Hakim et Kulehai. Mais comment? Tu as une telle intelligence, tu connais tellement de détails de la halakha, tu es tellement scrupuleux de faire plaisir à Hachem pour savoir. Alors qu'à l'époque du roi Menaché, il n'y avait pas encore l'obligation de faire la bracha du Motsi, puisque les brachot, c'est uniquement à Birkat Hamazon. Il n'y avait pas les Birkat Nehenin, les brachot d'avant, il n'y avait pas. Et donc, et quand même, sans avoir à faire la bracha, ils étaient scrupuleux de savoir où il fallait couper, parce que pour eux, c'était important de faire nachatroa, pour faire la volonté d'Hachem. Et comment à un tel niveau, et vous faisiez Avodah Zara, qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Ihava atam » si toi tu étais là-bas, « Hava nakita beshipule glima urhat abratai » donc tu aurais soulevé le bas de ton habit et tu aurais couru derrière moi pour aller faire l'Avodah Zara. Et le lendemain, qu'est-ce que Ravashi a dit au Chachamim? « Niftar berabvata » on a commencé aujourd'hui par un enseignement de nos maîtres. Et il a appelé ses rois nos maîtres. Exceptionnel. Mais pourquoi cette Gemara est intéressante? Parce qu'il y a un lien ici entre Avodah Zara, encore une fois, et le pain, la pâte. Donc, c'est la Gemara, et c'est pour ça que si on a approfondi, on va comprendre ici qu'il y a un lien encore beaucoup plus fort, et c'est pour cela que, pourquoi il a posé juste cette question? Alors, il avait le roi Hakodesh, il savait quelle question il n'allait pas répondre. Non, c'est pourquoi il parle de pain, parce que regarde, nous on faisait attention au pain, donc à la challah, la mitzvah de la challah, et malgré tout, tu ne peux pas comprendre, parce que le Yetzer Hara et le Sanhedrin va jeûner 3 jours pour annuler ce Yetzer Hara, donc on ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre. Mais nous avons en tout cas cet enseignement que pour la mitzvah de la challah, eh ben, c'est une solution et c'est une antidote à ce qu'on peut dire la Avodah Zara. Alors, il y a, par rapport à un enseignement qu'on avait eu aussi, pourquoi ça incombe les femmes? Donc, pourquoi aujourd'hui c'est la femme qui apporte la challah, qui allume les bougies de Shabbat, à qui incombe le respect des lois de Nida, et avec des sanctions aussi graves comme on vient de le lire? Et on dit comme ça, dans Bereshit Rabba, le Midrash nous dit, « Hi ibda challato shel olam » Elle a perdu la challah, le prélèvement du monde. Elle a éteint la lumière du monde. Comment? En entraînant la mort. Donc c'est pour ça qu'elle va rallumer la flamme pour ramener la vie. Et chalato, pourquoi Adam Arishon est appelé la challah du monde? Et ça, c'est une réponse qui est donnée par le Maharal de Prague. Et il cite ce fameux midrash qui nous dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a pris la terre, il a mélangé à l'eau, il a malaxé comme une pâte. À partir de là, il a créé, il a fait évidemment toutes les créatures. Mais de toutes les créatures, il a prélevé, il a dit « cette partie-là, c'est pour moi, c'est Kodesh ». Donc, il a conféré une sainteté à cette challah. Et c'était qui cette challah? C'est Adam Arishon. Donc, toi, tu as conféré, donc, tu as profané la sainteté de l'homme, de la challah. Eh bien, tu vas, par la challah, réparer donc cette faute. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Mais il y a malgré tout ici, dans le contexte encore de la paracha, si vous vous rappelez, pourquoi c'est, on avait parlé
la semaine précédente, la semaine dernière. Pourquoi c'est Aaron qui allume la menorah? On a dit parce que Dafka, précisément, lui n'avait pas fauté, donc dans la faute du veau d'or. Et même s'il a jeté, comme on l'avait expliqué à l'époque, mais on a vu que comme le veau d'or est sorti tout seul, donc Aaron n'était pas responsable. Ici, pourquoi, c'est une autre réponse aussi très intéressante, pourquoi Dieu confie maintenant la mitzvah de challah à la femme? Donc, on a expliqué par rapport à la challah du monde. Mais dans le contexte de notre paracha, c'est parce que elles n'ont pas fauté. La preuve, c'est qu'elles vont rentrer en Israël. Donc, Dieu donne la réparation à quelqu'un qui n'a pas, à qui on n'impute pas la même faute. Et c'est pour ça que si je dis que Chava n'a pas fauté, c'est pour ça qu'elle s'est vue décerner la mitzvah de la challah, parce qu'elle n'a pas fauté lors des Meragelim. Certes, elle a peut-être pleuré, mais à aucun moment elle a eu l'intention de faire de la Avodah Zara, comme elle n'a pas contribué en donnant ses différents bijoux pour la faute du veau d'or. Donc, ça c'est ce que l'on peut dire par rapport à cela. Et donc, on sait que Bereshit, pour le revenir à ce mot, il y a trois choses, dit le Midrash, pour trois mitzvot pour lesquelles il valait la peine de créer le monde. Et Bereshit, pour Reshit, quels sont ces trois mitzvot? Reshit, Arisotechem, comme on l'a vu ici, c'est le début de votre pâte, c'est la mitzvah de la challah. Reshit, Deganecha, le début de ta récolte, c'est les maasrot par rapport au blé, etc. Et les bikurim, c'est les prémices des fruits. Donc, tout est par Reshit. Et pourquoi? Pourquoi ça valait la peine de créer le monde que pour ça? Parce que Reshit, si je reconnais que le début de chaque effort que moi j'ai fourni dans ce monde pour me nourrir, tout ça c'est lié à ma nourriture, eh ben, je pense d'abord à Kadosh Baruch Hu, eh ben, si je pense d'abord à Kadosh Baruch Hu, c'est que la mitzvah elle occupe, puisque c'est l'une des fonctions essentielles des mitzvot, c'est évidemment accepter le joug divin, comme on l'a dit, comme on l'a lu par rapport à Rashi. Alors, et c'est pour ça que le Sefer HaChinuch dit, la da'at shehakol shelo, la tête à Reshit, et à qui on donne le Reshit, à celui qui est appelé Rishon. Et par rapport à ce mot de Rosh, il y a un autre midrash, beaucoup de midrashim aujourd'hui, il y a un midrash Echa magnifique qui dit, chat ou barosh, la kou barosh, ve Mitnachamim Barosh. Ils ont fauté par le mot Roche, ils ont été punis par le mot Roche et ils vont être consolés par le mot Roche. Quand ils disent ils ont fauté par le mot Roche, on vient de le dire, ils ont voulu faire Avodah Zara. La Kou Barosh, pourquoi? On dit que c'est. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est au sommet du peuple juif, hein, et au sommet de Yerushalayim? C'est Yerushalayim et le temple. Donc, ils ont été punis par le Roche, c'est-à-dire on a perdu le Beth Amikdash. Et là, on va pleurer, comme on l'a dit. Et on va être consolé par Roche. Pourquoi? Que chez Yavo Melech HaMashiach, comme ça dit le Midrash, quand le Mashiach viendra, Malkam Lifnehem, le roi va marcher devant, le roi Mashiach, Vashem Berosham, et Hashem sera sur leur tête. Donc, il n'y a personne d'autre qui va remplacer la tête. Donc, c'est Hachem qui sera à notre tête. Et je termine par un dernier point magnifique et qui sera notre conclusion. Alors, pour revenir à la faute de Adam et de Chava, on dit que lorsque Chava a fauté, et je l'ai dit, mais en passant, vous savez qu'il est dit que parmi les différentes possibilités, il y en a qui disent que c'était Rita, c'était le blé, il y en a qui disent que c'était la figue, mais on retient essentiellement que c'était le vin. Et je comprends pourquoi maintenant le vin vient ici, parce qu'on veut réparer. Le vin, on dit que c'est aussi Yaïn, Yaïn c'est 70, et 70, on dit que c'est les Malachim nocifs. Il y a des méchablim, des agents nocifs. Il y a 35 à droite, 35 à gauche. Qui sont-ils? 35 de Ishmaël et 35 de Esav. Donc 70, le Yayin, c'est pour ça que le chiffre 70, sans rentrer encore dans beaucoup de détails, mais c'est pour ça qu'on lutte avec ces forces du mal. Et comme on a fauté par le vin, comment on dit? Parce que Natna Minaret. Et là-bas, on dit, elle a donné de l'arbre. Pourquoi on dit le fruit? Parce qu'elle a pris les raisins, elle les a écrasés et il a donné le vin. Donc, c'est comme ça qu'on explique. Et c'est la place ici de
Nessachim, pourquoi le vin? Parce que de la même façon que la challah, on va voir maintenant, le vin ici, on veut aussi réparer par la faute à la faute de Adam Harishon. Et alors, si on analyse, hein, quant à la faute, il y a, d'après les Chachamim, trois dimensions à la faute de Adam et de Chava. D'abord, Chava, qu'est-ce qu'elle dit? Hanachash Hishiani. Le serpent, littéralement, m'a séduit. Et les Chachamim disent Hishiani Lashon Nisuin. C'est-à-dire, ils ont eu un rapport. Alors, les gens sont toujours choqués, mais comment un serpent? Alors, sachez que le serpent est aussi une des facettes de Adam, lorsqu'il n'est pas Adam, etc. Bon, je ne rentre pas dans les explications très profondes, mais le serpent, c'est, expliquons-le d'une façon simple, c'est le côté Mr. Hyde de Adam. Le côté mauvais de Adam est appelé le serpent. Et donc, il s'est uni à Chava, comme si elle était Nida, dit le Midrash. Donc, c'est une faute. Comment s'appelle la faute? Soit s'il est allé avec une femme mariée, soit s'il est allé avec une femme Nida, c'est Gilou Yarayot. Donc, dans la faute de Adam et de Chava, il y a Gilou Yarayot, c'est-à-dire les relations interdites. Ensuite, ça a entraîné la mort. Si je dis que ça a entraîné la mort, c'est Shfichut Damim, verser le sang. C'est la deuxième faute. Vous reconnaissez évidemment ici les fautes. Donc, les trois fautes pour lesquelles tout juif doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser, parce que il est là pour réparer ces trois fautes. On a souvent dit qu'Abraham, Isaac et Jacob sont la réparation de ces trois fautes. Et pourquoi il faut les réparer? Parce qu'elles sont été issues de la faute de Adam et de Chava. Donc, maintenant, il y a une réparation à faire par Gilouï Arayot, les relations interdites, par Shfichut Damim, parce qu'on a réintroduit la mort, et Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Pourquoi il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre? Parce que le jour où vous allez manger de cet arbre, vous allez être comme lui, comme Elohim, qui connaît le bien et le mal. Alors, qu'est-ce qu'il a insinué le serpent? C'est que, qu'est-ce qui a conféré le pouvoir à Dieu de connaître le bien et le mal? C'est cet arbre-là. Et donc, écoutez cette insinuation et accepter cette insinuation, qu'est-ce qu'elle recèle? C'est comme si je disais que l'arbre existait avant Dieu. Et d'où Dieu a-t-il de tels pouvoirs? C'est grâce à cet arbre. C'est imaginer une fraction de seconde que l'arbre a précédé Hachem, ça s'appelle de la Avodah Zarah. Parce que Hachem, il est marqué Hu Rishon Vehu Acharon. Il est le premier et le dernier. Donc, il n'y a rien avant lui. Donc, imaginez qu'il y a quelque chose avant lui, c'est de la Avodah Zarah, mes amis. Et donc, ça, c'est de la Avodah Zarah. Maintenant, je comprends. Comment maintenant Chava maintenant répare ces trois fautes? Alors, écoutez bien. La faute des relations interdites, évidemment par Nida. Parce que maintenant, alors que c'est ton mari, donc tu vas voir les règles, tu vas devoir te séparer de lui, et à travers le respect de cette mitzvah, eh ben, tu répares la faute. Et je comprends pourquoi ne pas être scrupuleux dans ce domaine, c'est tellement grave comme une faute. Parce que tu es en train d'entériner la faute de ton ancêtre Chava. Alors que maintenant, si on t'a décerné ces trois mitzvot, c'est pour que tu puisses les réparer. Et par où passe la réparation? Par la précision, parce que c'est par la précision dans ces domaines-là. Donc la mort, donc c'est l'obscurité qui est venue. Par quelle mitzvah? Évidemment, Hadlakat Nerot. Et donc Hadlakat Nerot apporter la lumière. Donc c'est comme ça qu'elle répare par rapport à la mort. Et là, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qui nous reste? Avodah Zarah. Et quelle est la mitzvah qui nous manque, challah. C'est-à-dire que la mitzvah de la challah vient pour la Avodah Zarah. Malgré, après tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il ressort, mes chers amis? Donc, avec le Midrashim, avec les Lagmara, etc. Mais c'est que la mitzvah de challah, elle a été décernée à la femme pour qu'elle puisse réparer le tort qu'elle a fait. Et surtout, parce que c'est comme ça qu'elle va donner à manger au mari. Et quand le mari prend le pain, il met les 10 doigts, il pense aux 10 mots, il pense aux 10 mitzvot, mais il pense surtout à ce que, avec cette action, et évidemment en association avec la mitzvah de la challah que sa femme a faite, ils sont en train de réparer la faute de Adam. Réparer le monde, c'est préparer le monde à la venue du Mashiach. Très très bonne soirée.